Du haut de ses 1379 mètres, le Salève reste le terrain de jeu favori des amoureux de la nature. Mais son ascension n'a pas toujours été des plus simples. Pour mieux comprendre, il faut remonter à la fin du 19e siècle. Afin de rendre le massif accessible au plus grand nombre, Maurice de Lesserre eut l'ingéniosité de créer le train à crémaillère qui permettait d'accéder au sommet du Salève en l'espace de 2 heures. Ce n'est que près de 40 ans plus tard, en 1932, que le téléphérique du Salève vit le jour. Désormais, il suffisait seulement de 8 minutes pour parcourir les 1200 mètres de câbles qui séparaient le départ et l'arrivée. Au cours des années 80, le téléphérique fut restauré et modernisé grâce à une volonté politique franco-suisse. Aujourd'hui, le téléphérique rentre dans une nouvelle ère. Fermé pour réhabilitation, il reviendra plus fort très bientôt.